Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, lundi le 4 mai 2015. Les marchés sont en hausse aujourd'hui, qui est à peu près en ligne avec ce qu'on pouvait voir la semaine dernière, le creux qui était ici, là, la remontée de Nasdaq, Dow Jones aussi qui revient à la même place. Ça fait de nombreuses fois qu'on se ramasse là, et le TSX fait la même chose, le marché qui semble pas prêt à accélérer, aucune correction. Les ressources aussi qui sont un peu bizarres parce que, en fait, dans certains cas, les ressources montent et les titres réagissent pas. Dans d'autres cas, ils descendent, les titres réagissent pas non plus. Et je parlais de l'or et de l'or et du pétrole. Bon, le dollar américain, lui, se tient, on dirait, prêt à faire un cycle haussier, mais vous voyez que le volume sur la hausse est vraiment très faible. Bon, le Nikkei était fermé, donc on n'a pas de précision. La bourse de Chine fait du surplace. La bourse de Londres était fermée aussi, donc vont probablement réagir à ça. Mais à la hausse des marchés américains, mais pour le moment, on dirait plutôt que ça va revenir par en bas. Là, il semble que, bon, je sais pas... C'est un petit peu difficile de m'avancer là-dessus, mais c'est un peu comme si le rebond était fini, puis on était pour s'en aller dans une formation triangulaire, genre de ce genre-là. On voit le marché de Nasdaq, là, présentement, qu'il y a de la pression à la baisse. Ça pourrait bien se dégonfler complètement. Du côté Dow Jones... Après avoir atteint le sommet 18130 ce matin, ben là, maintenant, on suit une tendance baissière, ce qui est à peu près pareil aussi comme le SPY aujourd'hui. Donc, est-ce que ça va durer cette affaire-là? Regardez nos ressources, là, premièrement. Le gaz est en baisse ce matin, maintenant, il est en légère hausse. Le pétrole est en baisse, et là, il descend moins. Les titres ont été en hausse, en baisse, en hausse, mais ce qu'il y a à constater surtout, c'est que le marché aujourd'hui, peu importe où il est allé, en hausse, en baisse ou ici, ben on reste à l'intérieur des valeurs de vendredi. Tiens, je vais vous mettre ça sur 250 jours. On va le voir ici encore plus comment
cette longue formation-là n'a pas encore été traversée. Je vous le montre dans un graphique quotidien. Vous voyez, USO qui est vraiment coincé là, mais quand il vient pour descendre, il décroche pas, là. On se tient toujours dans la formation neutre, comme si... Parce qu'oubliez pas que la tendance primaire est haussière, maintenant, ici. Donc, il est toujours encore possible d'avoir un décollage sur USO. Le gaz se tient à la fin de son cycle haussier sans se corriger. Si le gaz devait repartir encore à la hausse, clairement, au-dessus du haut d'aujourd'hui et de vendredi, on aurait un nouveau cycle haussier à l'extérieur de la tendance baissière. Donc, tout ça fait que on est proche d'un autre mouvement positif sur le pétrole et le gaz, ce qui fait que les titres ne chutent pas. Toutefois, on peut clairement voir qu'ils ne prennent pas de direction encore. Donc, ce qu'on attend, là, c'est que l'indice TTEN traverse clairement la barre des 240 points. Du côté de l'or, ça glissait vendredi. On se rappelle que les titres aurifères, eux, n'ont pas glissé. Ça, c'est aujourd'hui, mais vendredi, on voit la cote montait pendant que l'or descendait. Donc, les titres qui sont encore légèrement en hausse aujourd'hui ne montent pas autant que l'or rebondit. Pourquoi? Parce que c'est l'or qui est venu rejoindre les titres, parce que les titres étaient déjà à cet endroit-là. Donc, pour l'instant, on parle pas de signal d'achat de rien, mais il semble que, encore une fois, les ressources seraient proches de repartir en cycle haussier, en tendance haussière, que ce soit le gaz, le pétrole et les aurifères. Pour le moment, c'est toujours ça que ça a l'air. C'est toujours ça. On a toujours un creux positif, donc il n'y a aucun signal de vente là, et on s'approche d'un signal haussier qui n'est pas encore arrivé. En zone euro, l'indice manufacturier est en baisse en zone euro, en Allemagne et en France. Légèrement en baisse toutefois. Quelques résultats financiers. J'ai pas la bonne liste, hein, Max. Il faudrait que je les porte. Es-tu là? Réponds-moi. Et voilà. Bon, Berkshire Hathaway, en élan haussier sur ses résultats financiers, au lieu de 2374,70, c'est 2583. C'est pas... Eux autres, ils ont vraiment des drôles de chiffres par rapport aux autres. Hein. Arabio Pharma fait un rebond sur moins 19 à plus 37, Comcast 74 à 79, qui est en hausse aussi, très légèrement. Et MGM Resort qui menace de briser son support avec un résultat financier deux fois mieux qu'attendu. Au lieu de 13, ils ont 26. McDonald's, ils vont annoncer un plan aujourd'hui pour moderniser leurs opérations et relancer la croissance des ventes avec comme objectif à atteindre en 2018. Le géant de la restauration va accélérer le refranchisage de 90% de ses restaurants. Ciena, ils vont acquérir Cyanotech. C'est bizarre, les deux titres ne bougent pas. Comme si c'était une affaire que... Je sais pas, c'est bizarre. Habituellement, on a plus de mouvements que ça. Tembex et ses résultats financiers, le titre est en glissade. Turquoise, il est en début d'élan haussier. Il donne même un signal technique d'achat aujourd'hui. Pourtant, j'ai une grosse nouvelle écran en rouge qui dit que le délai pour exercer les ventes, la vente des 56 102 000 actions ordinaires dans South Gobi est venue à expiration. Ils disent qu'ils sont en train de finaliser les termes de remboursement de leur marge de crédit et que Turquoise Hill possède 23,3% des actions de South Gobi. South Gobi ne fait rien du tout là-dedans. Fairfax Holding est en hausse. Ils travaillent sur un accord pour prendre une participation de 35% dans BIDV, assurance qu'on n'a pas. Puis Bombardier qui fait sur place, qui est à côté sur son petit support à court terme. Pourtant, c'est qu'ils ont une nouvelle qui dit que Bombardier et les sociétés égyptiennes Orascom Construction et Arab Contractor
vont construire un monorail d'une valeur de 1,5 milliard près du Caire. Mais ça ne fait pas bouger Bombardier d'un poil, même qu'il est en baisse de une scène. Je vais maintenant faire le tour ici des secteurs. Comme vous pouvez voir, il se passe pas grand-chose dans les ressources. On est un peu en hausse ou un peu en baisse aujourd'hui. C'est bien tranquille. Je vous ai bien montré que du côté de USO, on n'a pas de décrochage nulle part. On peut toujours arriver avec une hausse. Et le gaz a fini son cycle haussier, mais pourrait en commencer un autre. Puis les titres pétroliers, clairement de côté, sont en attente du prochain mouvement. C'est bien clair à voir. Par contre, on a un Transglobe ici qui est très, très fort dans son cycle haussier. Nuvista qui continue encore. Si vous étiez là-dedans, je suggère de prendre des profits, de diminuer la position ici. Legacy Oil, on voit que ce sont des titres qui surperforment le secteur. Le secteur est dans une phase complètement neutre. Ces titres-là sont beaucoup plus forts que leur secteur. Il y a Birchcliff aussi qui a donné un élan aussi ici la semaine dernière à 8,5$. Maintenant à 9,9$, c'est parfaitement sécurisable. Precision Drilling aussi à 9,10$ et Lightstream à 1,52$. Donc, voyons quand même. Puis il y a même Trinidad Drilling qui débute un cycle haussier aujourd'hui. Oh, Enseigne Energy Service, il y a une belle hausse ça, ce matin qui va atteindre sa résistance. Et après ça, bon ben là, ça se calme. C'est là qu'on tombe dans les titres qui n'ont plus de direction, mais il y a quand même un groupe qui se démarque des autres. J'ai pas mal de questions sur la plateforme Ares là, à Apple ici. Non. Est-ce que j'ai ça là-dedans? Non. Je vais faire. On va y aller comme ça. Apple, vendre ou garder? Garder, parce que Apple, tant que Apple ne décroche pas en dessous de ce multiple support-là, la tendance est toujours une tendance haussière. Donc, c'est pas un signal d'achat, là, parce qu'il y a trop de résistance à passer non plus, mais pas une vente du tout. Sylvain Dulac-Albanel, dois-je garder HGD? Ça, c'était des questions de la semaine dernière. HGD, pour l'instant, ça va à l'envers de TTGD, ça. Fait que je vais mettre ça ici, et puis je vais aller dans ça, puis on va mettre... TTGD à la même place, puis on va comparer les deux. Vous voyez, TTGD est dans cette situation-là. C'est sûr que si lui décolle ici, il va avoir un signal d'achat et de nombreux titres qui vont se ramasser en cycle haussier. Donc là, c'est sûr que là, à ce moment-là, TTGD décrocherait. Je pense que il descend sur des faibles volumes, là, donc il y a peut-être une possibilité aussi que l'or passe pas son pas l'or, mais que les orifères passent pas leur mouvement neutre à court terme, donc et se mettent à se replier, donc votre TTGD remonte. De toute évidence ici, techniquement parlant, si on regarde ça sur un temps un peu plus long. Vous voyez, TTGD, le signal de sortie bye-bye Joe, parce que, c'est parti de l'autre bord, c'est en bas des 10 et 20 où on voit clairement ici le support. Que faire avec TRQ? C'est Turquoise Hill. Ben, pour l'instant, il est en début de cycle aussi, donc si vous l'avez, vous le gardez. Vous l'avez payé 11,40. Hein? TRQ payé 11,41. Oh boy, ça fait longtemps que vous l'avez. Mais regarde, tranquillement, pas vite, vous remontez dans votre argent. C'était l'ancien Ivan Wimine, ça. Hein? Mais là, pour l'instant, il pointe vers le haut. Donc, vous l'avez payé beaucoup plus cher, mais les plus mauvais jours semblent passer là, pour vous là-dedans. En tout cas, pour le moment, je vous conseille de le garder. USD, on vend ou on vend pour du Canadien ou on attend? Oups! Ça!
Savoir que le dollar américain s'en irait par là, je vous dirais, oui, peut-être que vous devriez changer ça pour du canadien, mais pour l'instant, il y a un possible cycle haussier proche. Fait que je pense qu'entre les deux, ici, on doit rester tranquille et puis attendre qu'on ait passé cette formation-là là, à la hausse ou à la baisse pour agir. Les titres US sont difficiles à trader en intra-séance à cause du décalage de 15 minutes sur les graphiques. Comment faire? Je vous dis ça après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. La question de JP, les titres US sont difficiles à trader en intra-séance à cause du décalage de 15 minutes sur les graphiques. Comment faire? Il vous suffit d'avoir les cotes intra-séance en temps réel. Si vous avez le logiciel Traders Plus, exemple, ils sont en temps réel. Ça ne donne pas grand-chose, un logiciel en intra-séance quand les cotes ne sont pas en temps réel. Puis les cotes en temps réel, la différence de prix en temps réel ou pas en temps réel sur les marchés américains, c'est 1 piastre par mois. Ça vaut pas la peine de s'en passer. C'est 20 minutes de décalage du côté de la bourse de New York, 15 minutes à Toronto. Mais il vous suffit d'avoir le logiciel Traders avec les cotes en temps réel. Et moi, ce que je vois ici, là, comme Citrix, vous voyez, qui bouge là, présentement, là, son BDNAS, tiens, je vais vous mettre ça en 5 secondes, juste pour le fun. Regarde, on a un titre ici en 5 secondes, et puis ça, ben, c'est vraiment les dernières secondes. Là, on voit ici le stock qui vient de glisser jusque-là avec son BDNAS, là, puis là. Puis dans 2 secondes, ils vont changer de place, puis c'est leur vraie cote en temps réel. Et AAPL, bon, on a déjà parlé tantôt, mais là, c'est Marielle qui dit qu'avoir payé AAPL 127$. Et puis, vous êtes à 130, mais le support est à 125. Ça fait que là, la différence pour vous est différente. Parce que si vous l'avez depuis longtemps, c'est une autre chose. Parce que Apple, il est en tendance haussière. Donc là, la décision pour vous à prendre, c'est... OK. Est-ce que je me retire ici avec un profit d'une partie de ma position? Parce que à 130$ à peu près, le support est à 125. Fait que là, vous seriez déjà 2$ en perte s'il venait là. Puis là, s'il tombait en dessous, là, ça serait encore plus de perte. Ça fait que... Donc, moi, je vous suggère là de penser à pas perdre. Gagner, c'est le fun, là, mais pas perdre aussi. C'est loin d'être certain qu'on va partir en haut de ça pour les mois qui s'en viennent. Mais c'est pas un titre négatif. Mais je dirais en vendre parce que ça réduit, ça vous donnerait 2$ de jeu par en bas. Donc je vendrais là. Puis si, tiens, on va regarder ça avec un graphique en temps réel. Bon, admettons, OK, qu'on attend un peu. Si, mettons, vous en vendez à 129, ce qui serait juste un petit peu en dessous du prix actuel. Alors, regardez, je vais mettre ça dans un 5 minutes, là.
Bon. Disons que vous en vendez à 129, vous avez payé 127, il vous resterait 2 piastres. 127 est ici. Fait que, donc, vendez à 129, mettez un stop pour le reste à 127, vous assurez de ne pas perdre de l'argent. OK? Et puis, d'un autre côté, si le titre repartait après ça à la hausse, bien, il vous en reste toujours votre autre moitié. TBA Toronto achat à 82 cents. TBE, Twin But Energy, achat 82 cents. Vous faites 8 cents de profit au prix actuel. Vous gardez, vous vendez, pourquoi pas en vendre la moitié? Puis après, ne pas vendre ça à part que si vous touchez à votre prix payé de 82. Donc, j'en flocherai la moitié, j'en mettrai la moitié à vendre stop loss à 82. Achetez Sherritt, prix moyen 2,24. Sherritt, c'est S. 2,24, regarde, même scénario ici. On a un beau cycle haussier, puis on est sur la fin de ce cycle haussier-là. Oui, il peut continuer encore un peu. Raison pourquoi on ne devrait pas toutes les vendre. Vendez la moitié, mettez votre stop au prix payé. Puis encore là, s'il se déplaçait de côté ici, puis après ça, il venait tomber par en bas, bien, on sortirait à 2,60 avec le reste de la position pour maximiser. Attendez une nouvelle récente de PLI. Non, pas moi, en tout cas. As-tu des nouvelles dernièrement sur PLI? À part qu'ils ont fait un financement? Non, hein? J'entends... Non, on n'a pas. Bon, on n'a pas de récentes nouvelles là-dessus, mais c'est exactement ce que je disais l'autre jour. Ce point-là est à considérer autant comme un point d'une faiblesse sur le titre parce qu'on est dans un trading range. Donc ici, il y a une possibilité de 2,40-2,80. OK? Il peut faire ça encore une couple de fois. Si vous achetez là à 2,40, vous flushez à 2,25 parce qu'il serait parti de l'autre bord. Puis d'un autre côté, ben 2,60, 2,65, on passerait à la caisse dans sa tendance neutre et que oui, il peut faire ça encore quelques fois. Mais je ne crois pas qu'il y a de panique à avoir là sur le titre là présentement. C'est au beau fixe. La compagnie n'annonce pas de mauvaises nouvelles, mais avec le financement qu'ils ont fait dernièrement, bon, ça ralentit peut-être un petit peu les ardeurs. Puis s'il repartait par ici, tôt ou tard, la tendance serait même accélérée. Donc, en théorie, est-ce qu'il pourrait se corriger encore plus? Oui, il n'y a rien d'impossible, mais ça semble pour moi un creux assez solide, cet endroit-là. Duc, DUK, acheté à achat 79. DUK, c'est Duke Energy, ça, ouais. Acheté à 79. Bon, on a un bon triple creux. Ici, c'est le cas du secteur des énergies. Hein? On est à peu près dans la même... Il performe pas comme les 5-6 premiers que je vous ai montrés l'autre jour, mais il y a quand même un bon support. Je préconise quand même un peu la patience là-dessus. C'est pas quelque chose qui a l'air trop menaçant pour l'instant. Il remonte tranquillement vers sa résistance. Je pense que vous pourriez probablement remonter jusqu'à votre prix payé là-dessus. Encore LEG. Ça, il y en a bien du monde. Hein, qu'il y a ça du LEG. Ouais, non, c'est pas le bon LEG. On parle du LEG à Toronto, j'en suis sûr. Bon, il est très, très positif pour l'instant. Regardez, son cycle haussier s'était calmé. Puis là, aujourd'hui, il est allé avec un nouveau haut, donc il fait partie des titres qui surperforment le secteur. Si vous l'avez acheté récemment, dépendamment comment loin vous êtes de votre prix payé, si vous êtes capable de tolérer jusqu'à 2,41 au moment où il inverserait son mouvement, vous le gardez, sinon vous pouvez le sécuriser en vendant la moitié. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Mejanou demande au RT un achat. Il y a zéro signal technique sur ça, c'est clair, pour l'instant. Autre que le titre est en zone survendue. Il est sur un support important. À moins qu'il arrive une mini-catastrophe sur le titre, ça devrait pas, il devrait pas chuter en dessous de son support. Mais si vous pensez que, bon, ce qui m'inquiète un peu, c'est le volume qu'il y a eu dernièrement. Il a monté sur des bons volumes, on s'en souvient, puis après ça, il a annoncé un financement, je sais pas quoi, là, dernièrement, il y a eu quelque chose. En tout cas, les volumes, les acheteurs qui sont rentrés assez rapidement ici sont sortis aussi rapidement. Donc, j'espère que son support va tenir. Si vous l'achetez sur le support ici à 24 cents, ben en dessous du support qui est aux alentours de 21 cents, il faudrait sortir. Parce que là, il serait parti du mauvais bord. Je le trouve pas si excitant. Juste le fait qu'il y a un support peut-être qui pourrait remonter. Par contre, ça prend pas de, ça est pas long. À 100%, entre ici et là, il y a 100%. Donc, faire 25, 30, 35 semble pas une chose impossible si on achète ça sur le support. Mais si on achète ça là, il faut être prêt à sortir s'il décrochait en dessous. SMF payé 3,66. Ça vient de Serge. Bon, c'est ma faute. Super formation triangle. Il n'a pas bien réagi dernièrement au mouvement de l'or, mais il n'y a pas grand-chose à faire pour l'instant. Vous avez payé 3,66, il vaut 3,72. Bon. Son signal de vente sera à 3,44. Il y a un 20 cents de risque là-dessus, mais il n'y a pas de signal d'achat avant 4 piastres. Ça fait que c'est que juste que le titre bouge quand même de juste aujourd'hui, c'est 2 %. Regardez dans cette petite cote-là de rien. Donc, je pense que le mouvement à attendre, là, si on le regarde plus clair, plus précisément sur un graphique exemple en 15 minutes, il y aurait ce son signal de vente sera sur 3,60, son prochain signal d'achat 3,80. ATD.B, de ce temps-là, il inquiète plus de monde parce qu'il est très volatile. Moi, je pense que Couchetard est venu toucher son support le plus important. Il avait comme, oups, franchi sa tendance. Il est venu en traverser un là, mais il semble que celui-là serait plus important. Je pense qu'on est sur un creux pour l'instant, du côté d'ATD. Est-ce qu'on voit vraiment où est le signal? Ouais, bon, on va oublier la cote qu'il y a là. C'était comme une espèce de cote qui a été juste temporaire. Pour l'instant, le titre indique qu'il pourrait bien repartir vers les 48, mais de signal pour sortir sur un plus long terme, là, c'est vraiment pas avant 45. Puis encore là, dépendamment combien de temps, depuis combien de temps vous l'avez, ce serait 45, 43, puis 41. Là, tu sais, en descendant, vous pouvez placer plusieurs signaux de vente. J'ai Marc ici qui dit « Bonjour Michel, merci pour ton émission pour nous faire le tour d'horizon des marchés à chaque jour. Bon, voici, que penses-tu des Beta Pro HVU et HNU? Depuis leur création, sont toujours négatifs. » Bien, c'est parce que le gaz descend. C'est pour ça. Mais HND, lui, il monte. C'est parce qu'eux autres, ils suivent la valeur. HVU, bien, il suit. HVU, il monte quand le SPY descend, quand le SP500 descend. C'est-à-dire quand les options de vente, quand les acheteurs se ruent sur les options de vente du SP500, OK? Donc, le HVU monte. Mais là, le SP500, il est proche de ses sommets.
Par contre, dans une correction, il pourrait être aussi très payant. On va quand même le regarder HNU qui est exactement comme le gaz. Vous voyez, on fait un cycle aussi de 3 jours, puis là, il est stabilisé de côté, prêt à redécoller, là, ou à se recorriger, là. Mais ça marche avec UNG HNU. Donc, HNU suit exactement UNG. Puis comme UNG baisse depuis une éternité, bien, HNU, il baisse pas tout le temps. Il y a des bouts qui étaient à la hausse, puis là, bien, il semble prêt pour un petit rallye à surveiller. Puis c'est la même chose avec HVU qui se ramasse en bas ici, tout simplement parce que le SP500 est pratiquement à son tuyau. Bonjour, M. Carignan. Écoute, chapeau pour votre équipe. Bien, merci de la part de toute l'équipe. Est-ce un point d'entrée intéressant? 643$ FFH. Bien, il ne donne pas de signal là pour l'instant, mais il y a un bon support. Donc, on pourrait penser. Puis, comme vous avez vu, là, il est sur un mouvement comme Couche-Tard et comme tellement d'autres qu'on a montré. Oui? Oui, il y a une nouvelle dessus aujourd'hui qui ont acheté, qui ont travaillé sur un accord pour prendre une participation de 35% dans BIDV Assurance. Mais je disais, c'est comme beaucoup de valeurs présentement sont revenues sur le support de février-mars, là, ça peut être considéré comme un point d'achat, mais il y aura un point de vente à 625. C'est un creux d'importance présentement. Les chances d'un rebond vers la résistance sont très bonnes. Donc, pour l'acheter en situation de creux, c'est maintenant. Mais il y aura un signal de vente à 625. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.